Bonjour à tous. Vous vous souvenez du tech que j'ai fait genre en octobre l'année passée où fallait retrouver le 150e premier Pokémon en français en 15 minutes. Et ben ça c'est un peu le grand frère parce qu'il y a tous les Pokémon, tous, six, enfin les 6 générations, hein. On va pas commencer avec Soleil et Lune. Et je vais le faire parce que j'avais envie, je me suis dit je vais le filmer. Mais comme vous pouvez le voir, il y a des indices parce qu'il y a tous les types. Et donc, comme il y a les types, ça va être 43 fois plus facile. Et il est possible que je les trouve tous en fait. Parce que c'est vraiment un gros indice, je trouve les types. Il est possible qu'il y en a que j'oublie. Faut savoir qu'il y a une limite de 20 minutes. Mais 20 minutes, c'est absolument pas assez pour tous les faire. Mais c'est la limite maximum du site, si j'ai bien compris. Les noms français sont possibles à mettre, donc c'est bien. Donc je switcherai entre français et anglais dès que mon cerveau aura décidé d'en favoriser un ou l'autre. Voilà, donc l'ID, le maximum timer n'est pas notre ami. Donc il faut aussi taper les Pokémon très vite. Enfin, taper les noms, hein, n'allez pas frapper vos Pokémon. Voilà, il est possible qu'il y ait des erreurs, etc. Écoutez. Je sais pas combien de temps ça va prendre, je m'en fiche un peu. Je vais le faire et on va voir ce que ça donne. 3, 2, 1, c'est parti. Boum, ça marche. Bizazam, c'était le nom anglais le nom allemand de Bulbizarre. Je connais très peu de noms allemands. Je connais Bulbizarre et Typhlosion en fait. Et Evoli parce que c'est Evoli. Et Flamara, c'est Pyroli, mais ça voilà. Donc il faudrait que je les. En fait, si je regarde les indices, je vais le mettre en anglais parce que je vois de l'anglais, donc je reste dans ce mode-là. Donc j'essaie de le faire en français pour l'instant. Bon, les starters, c'est facile. Tortank. Ça c'est le pire. Quand je fais des coquilles ainsi. Chenipan, Crisacier. Le pire avec les trucs ainsi, c'est quand les gens qui ont fait le quiz ont fait une erreur quand ils ont tapé les noms en français, par exemple. Et que par exemple, pour le quiz de la 6G, je les ai fait il y a 2 jours tous les quiz hein, chaque génération. Le quiz de la 6G, d'ailleurs, j'ai fait 100%. Le type, il avait mis Brasillon au lieu de Brésillon. Donc j'ai un peu fait n'importe quoi pour essayer de trouver. Mais. Darnian. Dardanian. Nian. Voilà, c'est mieux. Coconfort. Alors après, c'est Roucoule. Donc oui, donc si jamais j'ai pas assez de temps pour tous les faire, j'aurai pas assez de temps pour tous les faire, je peux arrêter le timer en fait. Faire qu'il n'y a pas de timer tout court, j'aurai pas de points, mais on s'en fout, c'est pas pour les points que je fais ça. Ensuite c'est Ratata et Ratatak. Ratatak. Ensuite Piaf avec, 21, Rapace de pique. Techniquement il faut... Abo, Arbok. Pikachu, Raichu. Je connais tout le monde par cœur jusqu'au 51 et après je pourrais m'en sortir, je pense. Sabelette, Sablero. Techniquement, si je veux vraiment. Non, pas d'ironie. Non, arrête avec un D. Nidorina. Voilà. Nidoqueen. Non, pas Inoqueen. Nidoqueen, est-ce que je vais arriver à taper un jour correctement? Nidoking, Mélofée, je peux mettre Clefairy si je veux. Mélodelphe, merde, j'ai mis Mélo donc forcément ça a été me foutre Mélo là en bas. Goupix, Fenard, ensuite c'est Rondoudou, et puis c'est Grodoudou. Et puis c'est Nosferapti, Nosferalto, Misterbe, Ortide, Rafflesia, Parasparasect, Mimitos, Aeromite, Topiqueur, j'ai dit, pas Topiaire, Taupe Trio, n'est-ce pas? Ah, Triopicker, ça écrit comme ça, j'en suis sûr. C'est pas grave, je vais mettre le nom en anglais. Ça marche aussi.
Ensuite, voilà, c'est là que je suis plus sûr. Je sais plus ou moins qu'est-ce qu'il y a, mais puisque c'est normal, je sais dire que c'est Miaouss. Ensuite, c'est Persian. Puis il me dit oh, donc c'est Psycho Quack. Bon, Aquaquack, je vais le faire en anglais parce que Aquaquack, pour écrire en français, il y a trop de K, trop de W. Férosinge, Colossinge, Caninos Arcanin. Ensuite, c'est Petitard. Petitard, c'est. Petitard. Oui, ok, d'accord. Je vais mettre les noms en anglais. Parce qu'il y a plus de chances que ça marche. En même temps, si le type il est anglophone, je vais pas lui reprocher d'avoir fait des fautes dans les noms en français. Hein. À la Kazam. Ensuite, c'est Machop. Machopper. Oh, ça a marché. Macogneur. Oui, cela, ça vient en français avant. Ensuite, c'est Chétiflore, parce que Chétiflore, c'est le. Ampiflore, c'est pas grave, on va faire Boostiflore après. Boostiflore. Après, c'est Tentacool. Tentacruel. Tentacruel. Ensuite, on a Racaillou, je dis. Ensuite, Gravalanche. Et ensuite, Grolem, que j'écris Golem parce que ça s'appelle Golem. C'est un vrai mot, mais Golem, rien à foutre. Ensuite, Ponyta, je suppose. Puis, est-ce que j'ai le feu ici que j'ai fait les autres feux de la première génération. Ensuite, Ramolos, Flagados, Slowbro, ça aurait été beaucoup plus rapide à mettre. Magneti, Magneton, Doduo. J'ai tellement fait les boîtes, classé les boîtes par truc. Ah merde! Le 83 c'est Canard T-Show. Dodrio. Ah, j'ai mis Dodri, ça a marché. Après il y a Ho-Oh, donc c'est Lamantine et Otaria. Ça va beaucoup plus vite de mettre leur nom anglais à eux deux. Ensuite, Poison Poison, c'est probablement Smogo. Ok, c'est pas Smogo, c'est Tadmor. Voilà, Grimer. Bon, Muk, ça va plus vite que d'écrire gros Tadmor, hein. Ensuite, encore un Water Water Ice, ça c'est Coquillasse. Non, Coquillasse, voilà. Et Clidoris. Ah merde, vous avez pas vu encore ça. Ouh, ça. Ouais, non, ça va arriver. Ouh, ça va arriver genre en septembre, vous comprendrez le Clidoris. Enfin, vous comprenez peut-être déjà et vous trouvez ça dégueulasse, et parce que ça l'est. Fantominus. Spectrum. Ectoplasma, ça aurait été plus rapide de mettre Chaser. Rockground. Onyx, évidemment. Non, pas Soporifique. Hypnomade. Et là, je vais juste mettre Hypno. Boum, ça passe directement. Ensuite, on a deux de haut. C'est probablement Poissirène. Non, Poissirène est plus tard. C'est Hippotrempe. Hippotrempe. C'est pas Hippotrempe non plus. Merde. Qu'est-ce qui reste en type haut dans cette génération. Wow, j'ai un trou là. C'est pas grave, Voltorb. Ah, Krabi, c'est Krabi, c'est Krabi. Voilà, c'est Krabi. Non, et Krabi. Krabi et Krabos. Voilà. Électrode, qui est un vrai mot, hein, je le rappelle. Nœud. Oh, purée, comment ça? Non, non. Nœud 9. Wow! Executor. Ok, je sais jamais écrire ce nom, j'aurais dû écrire Noix de Coco directement. Ensuite, c'est Oslay. Non, pas Oslo, Oslay. Ossature. Bon, je vais jamais faire les 20 minutes, hein, t'as compris. Kikli. Tainion. Kangourex. Ah, c'est pas celui-là, donc c'est Exelang. Oui, c'est Exelang. Bon, j'ai Smogo que j'avais mis tantôt. Weezing, donc Smogogo. Ensuite, on a Rhinocorne. Et on a Rhinophéros. Voilà, ça va plus vite d'écrire ça. Le Vénard. Sac de nœuds. Bon, ben, il faut mettre évidemment. Hop, Hippocéan. J'ai mis Poissirène tantôt. Golding, Golding, Golding. Sea King. Poissoroi. Ensuite, c'est Staristaros. Ça va plus vite. Ça va plus vite en français. Psyfé, Monsieur Mille.
Alors là, c'est bien parce qu'il a mis bug flying, donc ça veut dire que c'est un sécateur. Non, pas center side. Voilà. Lipoutou. Ah, sorry, ça aurait été plus facile de mettre Electabuzz. J'adore ce nom. Electabuzz. Ça, c'est Scarabrut, Pinsir. Normal, 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 Ditto. Ah non, merde, c'est pas lui. Merde, c'est qui? Bon, c'est pas grave. Ah, mais c'est Evoli. Ah, mais non, c'est pas Evoli. Merde, bon, c'est pas grave. Je... Ah, c'est peut-être Porygon. Porygon? C'est pas Porygon, merde. Merde, c'est qui? Bon. Ah, c'est Ronflex, c'est Ronflex. Non, c'est pas Ronflex, c'est pas Ronflex. Ronflex, il est plus bas encore. Ouais, non, Ronflex, c'est le dernier avant les légendaires. Aquali. Flamara! Boum! Jolteon. Les fossiles Anorith. Anorith, tout à fait. Anorith fossile de la première génération, magnifique. Monistar. J'aurais dû mettre Lord Helix, mais ça n'aurait pas fonctionné. Kabuto. Kabutops. Ce type normal, Tauros. Ptera, ça va plus vite que dire être aérodactyle. Ensuite, Articodin, Elector, non pas Electro, Sulfura, le sulfureux, Mini Draco, Draco, Dracolos, Mew, Tou. Merde, il manque un W. Quand j'étais petit, j'étais très 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 confus par l'orthographe de Mewtwo. Ok, on passe à la 2G, c'est parti. Germignon. C'est beaucoup plus facile avec les types. Germignon, Macronium, Meganium. Hérissandre, Ferrisson, Tornoucto. Boum. Totodile, Croconaw. Voilà, Crocono. J'ai mis Croco. Par exemple, dans le truc de la 2G que j'ai fait, j'ai pas retrouvé Crocodile parce qu'il avait marqué Crocodile. Alors que Crocodile, les gars. Bon, bref. Fouinard. Out. La 2G, c'est celui que j'avais fait 80 sur 100, c'était le pire. Noirfang. Bugflying. Bon, ça coxie. Coxyclaque. Si vous avez un Coxyclaque, appelez-le Trivago parce que c'est Pokémon 5 étoiles. Migalos, Mimigal. Poison Vol, Nostanfer. Lupiolanturne. Electric Pichu. Puis on a Melo. Fée, 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 Togepi, évidemment, on est toujours dans les bébés, donc Togepi, Togetic, les autres bébés arriveront plus tard, je pense. Psyvol, bah, Xatu et Natu. Électrique, 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 Farampe. Oui, ça. Je vais mettre Mareep, parce que Watt, je le mets toujours. Je l'écris toujours très mal. L'énergie, voilà. Juste plante, qu'est-ce qu'il y a de juste. Juste plante. J'ai un trou là. C'est pas grave. Azumarill. Et Marill tout court. Simularbre. Juste haut. Play. La 2G, franchement. Le pire, la 2G. Granivol. Jumpluff. Skiploom. Boum. Donc, Jumpluff 2F. Voilà. Skiploom. Bon, je vais arrêter le temps. Taken time, voilà. Ok, comme ça je me dépêche plus, hein, parce que ça ne va pas. Le coup du. Est-ce que je peux remettre le timer? Non. Est-ce le coup du plante tout seul, ça me semble tellement. Ah si, je sais, c'est jolie fleur. Voilà. Et le haut tout seul, ça je sais pas, on verra après. Normal, c'est. Est-ce que c'est Serfrousse? Non, c'est pas Serfrousse, mais au moins il est fait pour les autres. Waterground, c'est Axolotl et Marest. Je vais essayer de compléter chaque génération avant de passer à la suivante. Psy et. Donc ça c'est Mentali et Noctali. Voilà.
Puis on a Dark Flying, ça forcément c'est Cornèbre. Opsi, ça c'est Roi Gada. Feu Forêve. Kul, Bu, Toke, Zarbi. Normal Psy, Girafarig, ça c'est rien que j'avais oublié. Ah, le normal d'au-dessus, un seul lourdeau peut-être. Non, il est encore en bas. Bug Steel, ça c'est Pomme de Pique. Ah, Pomme de Pique, il veut pas. Painko et... cette vidéo va durer 40 minutes, ça va être magnifique. Fortress. Fortress, voilà. Les deux grâces au-dessus, c'est Tournegrin et Eliatron. Voilà. Scoplan. Faudrait que quelqu'un fasse une compilation de tous les trucs que j'ai mal mis et invente des nouveaux Pokémon avec ça. Steelground, Steelix. Non, pas Steelix. Steelix, il est beau celui-là. Ça, c'est Grande Bulle et Snubule. Snubule. Voilà. Au poison, c'est notre ami Quillfish, n'est-ce pas? Qui a eu l'idée de Quillfish, sérieux? Insecte acier, Cisaiox. Insecte roche, Karatrok. Le pire Karatrok. Scarino, Heracross. Farfuret. Il court le Farfuret. Et on a deux types normaux. Et Teddy Ursa peut-être. Yeah! Ursaring. Feu. Ouais, bon, c'est. Feu et feu roche, forcément, c'est l'imagma. Ah! Comment il s'appelle l'imagma en anglais? Bon, je vais mettre Volcaropod déjà. Ça marche. Slugma, voilà. Ice Ground, ça c'est Marcacrin. Et. Piloswine. Non, Swine, voilà. Horus, ça c'est Corailon. Puis deux O comme ça. Qu'est-ce qu'il y a en haut tout court? Remoraid et Octillery. Yeah, c'est bien vu. Octillery. Alors, Ice Flying, cas d'oiseau. Puis Démanta. Puis Hermure. Et puis Malos et Démolos. Et puis Hyporoi. Et puis, ça c'est probablement Fampi, voilà, et Donphan. On a le trio des types normaux, là. C'est pas Écrémeux maintenant, mais je peux déjà le mettre, Écrémeux. Mais voilà, c'est 241 ici. C'est quoi tous ces types normaux à la con, là? Cap humain. Ça, c'est un beau type normal à la con. Ah merde, il était avant. Il était là, quelque part. Il est là, c'était lui. D'accord. Non. Non, je sais pas en fait. Parce qu'on a Débugant et Capoeira. Débugant. Capoeira. Là, c'est Liputi. Et puis il y a Elekid. Puis il y a Magby. Ça, je sais. Ok, qui manque? Il manque un O, il manque un insecte vol. Un insecte vol. J'ai l'impression qu'il est hyper évident et que je devrais être honteux de l'oublier. Peut-être penser aux nouvelles évolutions de... Ouais, enfin bref, on viendra après et si jamais je retrouve pas, c'est pas grave. On va continuer, donc là c'est l'euphorie. Et puis on a les légendaires, Raikou, Entei, Suicune. On a Tira, Nocif, Infect. Voilà. Et Larvitar. Lugia, Oho, Celebi. Et on commence à la troisième génération. On a la pire chose qui ait existé au monde, c'est-à-dire Arco, Masco et Junko. Ensuite, Poussifeu. Galifeu, puis le starter le plus OP parce que capacité spéciale de merde, et puis le littéralement le meilleur starter du monde, Lagron bien sûr.
Ensuite, c'est Medina, Graiena, puis c'est Zigzaton. Zigzaton, Linéon. Puis des insectes, comme des insectes que l'on balaye, c'est Chenipote évidemment et toute sa bande. Chenipote. Papillusion. Oui, Chenipote évolue en Papillusion, vous n'étiez pas au courant. Blindalis. Charmillon. Entre Charmillon et Papillusion, qui est mieux? Charmillon. Papinox. Ensuite, on a nos amis Nénuphio, Lambret, Ludicolo et les vachement moins bien Grenipio, Pifeuil, Tangalis. Bon, après, on a Nirondelle, le pire oiseau du monde. Et les Dell, voilà. Ensuite, on a Goélise et on a Béquipan, le vrai pire oiseau du monde en vrai, hein. En vérité, qu'on se le dise. Psyfé, ce sera Tarzal, Kirlia, Gardevoir. Ah là là, Gardevoir. Overrated. Bref. Ragdo et Mascadra. Ensuite, on a Balignon. Bonjour, est-ce que tu aurais pas vu le Pokémon Balignon? J'aime beaucoup ce Pokémon. Bref. Spore! Ah merde, c'est Chapignon. Trio normal, c'est probablement Chuchmur et compagnie. Ah non, ils sont en dessous. Bon, je vais les mettre alors tant qu'on y est. Ramboum. Brouhaha-bam. Voilà. Qui peut avoir un trio normal là, comme ça? Bon, je vais mettre Ningal et les. Parce que c'est facile. Ninjask. Munja. C'est qui ces trois? Ah, c'est Paricool. Paricool. Vigoroth. J'essaie quand même de garder une certaine vitesse, même s'il n'y a plus de timer. D'ailleurs, ça fait combien de temps? Combien de temps? Ça fait 22 minutes 24. C'est bon, on n'est même pas à la moitié. Ouh! Ça va être magnifique. Monaf limite. Combat. Makuhita. Et Ariyama. Ariyama, c'est un peu salaud comme orthographe parce que c'est Y, faut le savoir. Normal fait, qu'est-ce qui est normal? Normal fait. Oui, c'est Azuril. Tout à fait. Roche, Tarinor, je suppose. Voilà. Puis deux normales. Justinifix. Normal, qu'est-ce qu'il peut avoir en normal? Bon, on verra après. Misdibule. Steel Rock, ça c'est Galikid. Galikid. Galégon. Galikid. Voilà. Vous savez quoi? Ça va plus vite comme ça. Ensuite, on a Meditica. Wow! Et Charmina. Voilà. Ensuite, les électriques, ça c'est facile. Il y a genre 4 Pokémon électriques dans tout le jeu. Enfin, dans tous les Pokémon en 3G. Donc. C'est Dynavolt, Elexprint, Poséidon, Yapi. Bug, c'est Lumivol. Pitié. Lumivol, Luciole. Grass Poison, Roselia, évidemment. Non, pas Poselia. Poselia. Roselia. Ensuite, Poison, c'est probablement Gloptée. Et Avaltou. Aux Ténèbres, c'est Carvana, comme Anthony. Vous connaissez pas Anthony Carvana? Non, j'ai pas honte. Oh, c'est qui? Oh, maintenant. C'est la 2G. Voilà. Donc, est-ce que c'est Welmer? Oui, c'est Welmer. Et Wailord. Et ensuite, bon, c'est facile, c'est Camerupt et Chamallow. Camerupt! Voilà. Juste feu, ça c'est notre ami Chartor que tout le monde déteste à cause d'Adrian. Psy-Spoink. Gros Ray. Normal Spinda, je suppose. Sol, Cracnoa. Vibrava. Vibranymphe, voilà. Et
Libégon. Alors, ensuite, c'est Cacnea. On est dans le désert, là, pour l'instant. Hein. Cacturne. Normal vol. Dragon vol. Bah, Tilton Altaria. Là, on est sur la route 114. Normal poison. Ça, c'est Mangriffe et ses vipères. Je les avais oubliés quand j'avais fait le truc de la 3G. Donc, maintenant, je m'en souviens. Solarock, c'est les rocs. Voilà. Au sol, Barloche, Barbicha. Yep. Ouais. Barbicha. Ensuite, Water Dark. Et Crapince. Et Colomar. Solpsy, Balbuto. On est de retour dans le désert. Kaorin. Kaorin! Rockgrass. Ça, c'est les fossiles. Donc, Lilia et Strakilakis. Ouais, je l'ai bien écrit pour une fois. Anorith, Armaldo. Essayez de trouver les Pokémon avant moi. Bon, deux O comme ça. Qu'est-ce qu'il y a comme O? Qu'est-ce qu'il y a comme O en... Il y a trop de Pokémon O en vrai. Les normales et les hauts, c'est plus difficile parce que juste le type, ça dit presque rien tellement il y en a. Par contre, les spectres, ça. Polichombre. Maintenant, il faut penser au type haut et qu'est-ce qu'il y a comme Pokémon. Par exemple, les deux water là, c'est peut-être Milobelus et Barpo. Barpo, ouais, voilà. Milobelus. Bon, Branette. Rajouter une lettre, ça devient dégueulasse. Skelenox. Terraclope. Tropius. Psy. Ok. Voilà. Ouais, sauf que c'était pas ce psy-là. Dark, c'est Absol. Dark, c'est Absol. Glace. Juste glace. Stalgamin. Et. Stalgamin. Onyglali. Je mets juste la fin parce que je suis un rebelle. Je suppose qu'en dessous, c'est les basketteurs professionnels que sont Kaymorse, Fogler et Obali. C'est bien de pouvoir jongler entre les noms. Ce psy-là, il m'énerve parce que je suis. Parce que. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Encore de l'eau. Pourquoi? Arrêtez avec l'eau. Il y en a trop. En vrai, c'est le meilleur type du truc, mais quand même. C'est donc Relicant, donc c'est Coquille Perle. Coquille Perle. Et Serpang. Où sont les yeux de Serpang? Et Rosabis. En vrai, ils sont ses yeux. Ça, c'est... Peu importe. Encore un truc d'eau. Love Disc. Yep, c'est Love Disc. Dragon. Latios. Non, pas du tout, c'est Drabi et Dracos, évidemment. Savez quoi? C'est mieux comme ça. Et Dratak. Et ensuite, on a. Bon, donc, là, on est à la fin. Donc, Métalos, Terral, Métang. Rock Ice Steel, c'est Rigirock. Bonjour, je suis Rigirock. Oui, bonjour, je suis Rigirock. Regice. On ne prononce pas Régis, ça c'est le méchant. Enfin, c'est le rival dans les dessins animés. Registeel. Latios. Kyogre. Graudon. Et Rakaza, hein, n'est-ce pas? Deoxys, Jirachi et en parlant de Deoxys. Qu'est-ce qui me manque en 3G? Alors, vite fait, un psy et Oko. Deux normales. Qu'est-ce qu'il utilise en normal? J'essaie de regarder hein, ce qu'il a en normal, mais par exemple, Skitty Delcati, je les ai mis. Non, je les ai pas mis. Skitty. Ils sont au-dessus, Skitty et Delcati. C'est ceux-là. En plus, je sais que 300, c'est Skitty, quoi. Honte à moi. De la Cathy. I am de la Cathy. Ok, donc il me manque vraiment que ces deux types normales-là.
Qu'est-ce que j'ai bien pu oublier un type normal? Faut voir, c'est à peu près où? Bon, tant pis, la 3G c'est fini, on va commencer la meilleure, la quatrième. Tortitroll. Tortipousse. Boscara. Ok, Boscara, j'aime pas, personne n'aime Boscara. Thor Xehanort. Ou Thor, Thor Terracid, si vous préférez. Wistikram. Je sais pas pourquoi je préfère les. Là, je suis en mode non anglais. Pangolion, par contre, ça va. Normal vol, donc Étourmi. Là, par exemple, ça va plus vite. Ça va plus vite avec le nom anglais, genre non respect. Le Quenotor s'envole. Bidouf! Rip Bidouf. 401, 402, ça c'est Krixik et Melocric. Criquetot. Voilà, et Melocric. Parce que Krixik, je sais jamais vraiment comment ça s'écrit. Lixi, Luxio, Luxray. C'est marrant d'ailleurs, parce que Luxio et Luxray ont les mêmes noms en anglais, un truc, mais en anglais, il s'appelle Chinx. Lixi, alors que ça semble plus logique de l'appeler Lixi, je veux dire, ça reste dans le même. Rose Bouton. Ça reste dans le même thème, dans la même formation, mais. Roserade. Alors. Rock style. Alors, c'est déjà les fossiles, c'est Kranidos et Charcos. Et puis Dinoclier. Et Bastiodon. Ensuite, Bug Varize. Ok, là, c'est Chenizel. Mais... C'est Chenity et Chenizel, merci. Et bien sûr, notre ami Papilord. Ensuite, encore deux Bug Flying. Je suppose que c'est Happy Trini et Happy Ren. Électrique, le 417, c'est Pachirisu. Et juste après, c'est Mustéboué. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a comme plante? 420, 421 en plante. Ceribou et Ceriflore. La 4G, le plus difficile, c'est vers la fin où c'est toutes les évolutions, les évolutions d'autres Pokémon et on peut pas vraiment se fier aux Pokémon qui suivent ou qui précèdent. Oh, donc Sankoki et Tritosaur. Ensuite, normal. Juste un normal comme ça. Enfin bref, Beaudrive. Grodrive. Ensuite, normal. Ça, c'est Laporeil. Laporeil et Locpin. Spectre, Magirève. Puis on a Corboss. Corboss. Non, pas Crobos. C'est genre après Acrobat. Ah, je l'ai réécrit. Corboss. Voilà. Arrêtez avec le type normal. Même si là, je sais que c'est Shaglam et Chaffreux, mais quand même. Psy. Juste Psy, comme ça. Psy. C'est Corillon. Yep. Moufouette. Voilà. Puis c'est Archéomyr. Aéroptéryx. Archéomyr évolue en Archéoptéryx, tout à fait. Archéodong. Juste Roche, c'est évidemment Manzai. Et on a Mime Junior. Enfin, ou Mustéflotte, c'est comme vous voulez. Normal vol. Est-ce que c'est Pijako le normal vol? Ouais, c'est Pijako le normal vol. Spiritomb est là ensuite. Ensuite, on arrive directement à Gricknot, Karmash. N'hésitez pas à mettre de la musique en arrière-plan parce que ça doit être un peu chiant. Karchakrok. Okay, vous avez quoi? Garchomp, c'est très bien comme nom. Grachomp, par contre. Grachomp. Vous pensez à un super gros chomp de Mario.
Normal, Munchlax, Goinfrex. Ah, le normal, c'est peut-être. Ben, il est parti où, mon ambipom? Ah, ben, le normal, il était là. C'était. Capidextre. Et par contre, ce normal-là, je sais pas c'est qui. Donc, ça, c'est Ri Lucario et Riolu. Lucariolu. Ensuite, Hippopotas. Hippodocus. Ça, c'est Drascore. Ah, d'accord. Ok. Les deux se sont mis en même temps. Ou alors, je... Ok. C'est pas grave. Nous avons Crapaudo. Krogunk. Coatox. Ensuite, ça, c'est Carnivine. Donc, Fortante. Les deux trucs d'eau, là, c'est Lumignon et Caillon, je suppose. Voilà. Je voyais pas d'autres. Vraiment. Au vol, c'est probablement Babymanta. Bon, là, on a Abomasnow et Snover. Et donc, là, on commence toutes les évolutions à la con. Il y en a qui étaient avant. Hein. Celle-là, c'est sûrement l'évolution de celui-là. Mais on va commencer les évolutions. Donc, Dimoré. Magnézone. Liki-liki. Coup de langue. Voilà. Rhinastock. Voilà. Grass, boule de nœud. Électrique. Bah ça, c'est forcément. C'est Élécable. Et Maganon. Togekiss, évidemment. Yanmega. Yanmega. Givrali. Filali. Voilà. Scorvol. Scorvol, j'ai dit. Mamochon. Encore un normal. Ah! C'est Porygon 2 et Porygon Z. Les... Voilà. J'ai trouvé l'autre. Bon, il m'en manque encore un de G, mais. Et qui est sûrement l'évolution. Du coup, sûrement la pré-évolution de celui-là, mais peu importe. Galam. Tarinorm. Ghost. Ghost. Noctunoir. Et puis là, c'est Momartic. Et puis là, c'est Motisma. Alors, j'avais fait un quiz aussi, les Pokémon légendaires. Bon, ça, c'était évidemment hyper facile. C'était aussi très le Skype. Et ils avaient mis Motisma dedans comme des cons. Et là, on arrive au légendaire, Créelf, le meilleur légendaire, évidemment. Évidemment. Les incultes, hein, ils ne savent pas que le vrai nom c'est Pinky. Rien que pour faire défiler la liste, ça prend déjà du temps. Donc dé... Enfin bref. Dialga, Palkia, et Atran, Régigigas, Giratina. Giratina. Je l'ai fait un peu sans regarder celle-là. Hein. Cresselia, Fionn. Manaphy, Darkrai, Shaymin, Arceus. Ok, qu'est-ce qui me manque? Il manque juste ce petit, ces deux-là. Et lui. Mais on s'en fout, on va passer à la 5G. C'est peut-être évident et peut-être que je vais me faire un facepalm quand je vais le voir, mais le but, je veux dire, c'est d'aller vite aussi. Et donc, si j'y arrive pas, mais tant pis pour moi. On passe à la. Déjà, c'est Vipélière. Alors, combien de. Presque 40 minutes. Yann, je me demande combien de personnes seront arrivées à ce temps-là dans la vidéo sans passer rien du tout. Majaspic.
Gruy cuit. Quand j'ai fait le quiz 5G, il m'en manquait 8, il me semble. Gruy cuit, Grotichon, Embor. Voilà. Ensuite, Moustillon. Il est si mignon. Et c'est un moustillon avec une grosse patate. Ça marche pas les noms japonais? Non, ça marche pas. Oui, donne-lui la patte. Ratanti, if. Watchdog. C'est Watchdog, mais en une seule fois. Ponchio, Ponchien, Mastouf. Chakripan, ensuite le pire Léopardus, évidemment. Ensuite, on a les singes, donc feuille à jour. Feuille à jour. Et quand je fais un update de mon fichier Excel, ma feuille est à jour. Feuille ou temps. Vous savez quoi? Bon, ben, bref. Feuille ou temps. Ah non, genre, il n'y a qu'une lettre. Ouais, voilà, il n'y a qu'un L parce qu'il n'y avait pas assez de place. C'est ça. Flamme à joue. Flotte à joue. Je dois avouer que j'ai oublié le truc en français. Je savais serre, je savais pour, mais je sais plus le troisième. Donc voilà. Alors, ce qui est bien avec le Dex de la 5G, et une des raisons pour laquelle j'ai fait très très bien au quiz, c'est que le Dex est vraiment dans l'ordre de noir et blanc, en fait. Donc, si vous vous souvenez un peu de l'ordre des routes et comment ils arrivent, c'est bon, c'est fait quoi. Par exemple, ici on est sur la route 3, donc il y a des Zébiberon, Zéblitz. Voilà. Ensuite, on a dans la veine souterraine, donc on a Nodulite, Gigalite, et sans oublier bien sûr Géolite, qui a probablement le nom le plus original du monde. Ensuite, on est toujours dans la veine souterraine, donc on a Swoobat et Woobat. Et là, dans la graine souterraine, dans la poussière, vous pouvez rencontrer Rototaupe, qui évolue en Minotaupe. Ensuite, vous sortez de là et vous rencontrez des... Non mais oui, évidemment. Et vous arrivez près de la forêt d'Empoigne en extérieur, où il y a des Charpentis, qui évoluent en Ouvrifié. Eux-mêmes évoluant en Bétochef, et sur ce même endroit vous pouvez trouver Je suis Triton, Je suis Cruel, qui évolue en Batrachnée, et au final en Crapustule. Il y avait tellement de gens qui détestaient ce Pokémon des débuts, moi au final j'aime bien. Donc nos deux amis du combat, un judocrate et un tueur de Croatie, et si vous comprenez pas pourquoi je dis ça, regardez Random Source 3. Caraclée. Ensuite, on arrive vraiment dans la forêt d'Empoigne, là à l'intérieur, et on le retrouve avec le mignon Larveillette, qui évolue en Couverdure, qui évolue au redoutable Manternel, qui aura fait chier plus d'un quand il est en position de Hardy. Et on trouve aussi Venipat, qui évolue en Scobolide, qui évolue en Brutapod, qui en aurait fait chier plus d'un, qui voulait faire des classements en Overuse sur Smogon et qui se retrouve face à des Scobolides qui font relais. Ensuite, toujours là-dedans, si vous avez joué à la version noire, vous pouvez avoir un Doudouvet qui est magnifique, qui évolue en Farfaduvet, qui est type plante, Doudouvet, et qui est de type plante, et qui est d'ailleurs le seul Pokémon actuellement à avoir une double faiblesse type poison, puisqu'il n'y a que deux Pokémon qui sont faits face à, deux types qui sont faits face à type poison. Plante est fait. Mais en première génération, le type insecte est faible face au type poison, ce qui voulait dire que Parasect avec 3 double faiblesses, c'était encore une plus une grosse merde qu'il n'est actuellement. Si vous jouez à blanc, par contre, vous aurez l'infime honneur d'avoir Chlorobulle et son évolution Fragilady, qui, avec tempo perso et danse fleur, peut faire très mal. Si vous trouvez. Si vous allez sur la route 4 et que vous combattez le pêcheur, ils auront tous des Bargantua, une horreur de la nature qui n'aurait jamais dû exister. Et si vous allez dans le désert, vous allez voir un Mascaïman qui évolue en Escroco, qui évolue en Crocodile.
Horrible. Ensuite, dans le désert tout le temps, toujours sur la route 4, pour être plus précis, il y a des Darumarons, dont la description Pokédex de blanc est dégueulasse, ne la lisez jamais, qui évolue en Darumacho, qui peut à peu près tuer à peu près, qui peut tuer à peu près n'importe quoi, sauf un freaking Juyo de crack qui se booste. Et puis, bah, vous arrivez dans le désert des Lassans, et là vous avez le Marakashi, que tout le monde déteste, sauf moi. Vive Marakashi. Et vous avez bon, plein de petits habitants dans ce désert, comme Krabby Coq, non pas Krabby Bok, et Krabarak, que j'ai toujours cru que c'était Karabarak au début. Vous avez aussi Bagiguan, je ne sais pas comment on écrit cette merde, Bagiguan. Vous savez quoi? Bagaïd, voilà. Comment il s'appelle? Bagiguan. Je sais plus comment il s'appelle en France, en anglais, ça m'énerve. Je le retrouvais sûrement. Après, nous avons aussi Crève-Cryptéro. Cryptéro, voilà. Nous avons tout à fait et tout tant qu'à faire, autant le mettre dans le truc. Tout tant qu'à faire. Ensuite, dans le château enfoui, vous pouvez obtenir un des deux fossiles. Donc, soit pour avoir un Carapagos qui évolue en Mégapagos. Ou alors obtenir un magnifique Archaeopteryx qui évoluera en Aeropteryx. Et après, vous allez le faire transférer dans la 6G. Vous allez voir que son modèle 3D est dégueulasse et vous allez pleurer. Vous arrivez ensuite sur la route 5 à Méanville. Et en Méanville, il consomme, il jette. Et on se retrouve avec moi qui écris Méanville à la place d'écrire Miamiasme. Miamiasme. Vous voyez à quel point ça suit le noir et blanc qui évolue en Miasmax, évidemment. Sur cette route, vous pourrez aussi trouver. Merde. Scrafty, je pense que c'est le nom de Bagaïd, mais pas de. Bah oui, c'est marqué. Purée, je suis con. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Ça m'énerve. Et là, vous voyez, le Dark m'énerve un peu parce que je sais pas d'où il sort. Le Dark. D'où sort le Dark? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a comme Pokémon juste ténèbres? Juste ténèbres. Parce que ça m'énerve. J'ai jamais chacré un peu en Léopard du sang. Par contre, le normal, c'est Chinchidou. Parce qu'on est toujours sur la route 5. Donc Chinchidou évidemment, son évolution Pashmina, et puis on a, si vous êtes dans blanc, Nucleos, Meios et Symbiose, et si vous êtes dans noir, vous êtes obligé de vous taper Scrutella, Mesmerella, Mesmerella. Voilà, si vous allez à un spectacle d'hypnose et que fait par Mesmer, vous espérez que quand vous arrivez, Mesmer est là. On a dû faire cette blague plein de fois, c'est même plus marrant. Et Sidéré, là, voilà, vous êtes sidéré tellement cette blague était de la merde. Au vol, ça c'est Quantum, puisque maintenant on est passé sur le. Il a que Missing. On est passé sur le pont Yonneuve. Hop, on traverse le Poirier Neuf, et si vous êtes en hiver, vous allez voir le magnifique Sorbébé. Oh, même pas en hiver en fait, vous allez au hangar frigorifique, vous allez voir le Sorbébé. Et évidemment, qui évolue en Sorboule et qui évolue en Sorboboule. Sorboboule! Si vous allez sur Route 6, par contre, nous avons les 4 saisons de Vivaldin, qui évolue en Aïdin, évidemment. Je ne sais jamais comment on prononce ce truc, mais je vais dire Aïdin parce que pourquoi pas. Vous avez Emolga, magnifique, la deuxième chose la plus mignonne du monde après Pachirisu. Ensuite, vous avez Carabing et Lance-Argot que vous aurez très très tard après quand vous aurez enfin trouvé un freaking Escargot et Escargot for the win, by the way. Limaspig vaincra. Ensuite, vous allez vous faire avoir n'importe comment par un Golem ou un Trompignon. Voilà. Et puis, vous allez avoir Surf et puis vous allez pouvoir toucher Viscuse. Et évidemment, son évolution Moyade. Tant que vous êtes là-bas, autant aller sur le Chenal 18, Chenal 17 et la route 18, et vous allez voir
Des magnifiques Pokémon qui n'ont rien à qui auraient dû être Allô, Mo-mo-la, qui aurait dû être une freaking évolution de Love Disc, mais non. Et ensuite, vous allez revenir sur vos pas pour continuer l'aventure, passer dans la grotte électrolyte et trouver un Static-Tick qui est magnifique. Et puis après, vous trouverez Spooder Whatface qui est Megavolt. Vous pourrez trouver aussi des grains durs, oui, ça se prononce grains durs et pas grain dur, qui évoluent en eau acier, Tasky for the win. Et vous trouverez aussi des tics. Des clics, qui n'a rien à voir avec une souris dans Blabla, et des clitty-clics. Clitty-clic-clic-clic-clic-clic. Voilà. Je suis pas un geek, je suis un scientifique. Électrique, électrique, électrique. Oui, bien sûr, en chouette. En chouette. Lampérois. Et au massacre, le nom le moins original du monde. Enfin, peut-être pas, mais presque. On sort de là, on arrive à. On va un peu plus loin parce qu'on va à la tour des cieux, voilà. Netram, la route 7, c'est nul. On a Netram et Lusaur. Lusaur, c'est Roswell à l'envers, mais j'ai déjà dit. On a Lugulabre qui est magnifique. Hein, Chandelure, tout ça, tout ça. Funicien et Mélancolux que tout le monde oublie parce que tout le monde oublie qu'il y a que Mélancolux existe puisqu'il a fait évoluer directement dès qu'il a un Funicier qui évolue. Les dragons, les dragons, les dragons, bah voilà, les dragons, c'est. Quel est le dragon de truc? C'est Coupe-Note, parce que vous allez avancer, 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 jusqu'à vous retrouver contre. Enfin, non, vous allez revenir, vous allez être dans la grotte parsemée, dans lequel il y a des Coupe-Notes qui évoluent en 1-6-H. J'ai toujours cru que c'était 1-6-H, hein. Mais d'ailleurs, c'est inverse, hein. C'est S là, et c'est là. Voilà. J'ai toujours cru que c'était un 6H, donc moi je m'acharnais dans le truc 5G en disant ah, un 6H, ils ont fait des mauvaises fausses orthographes, puis j'ai cherché, c'est un 6H en fait. Donc j'ai été dans ma vie, voilà, menti toute ma vie, tronchodon. Et ensuite, vous allez revenir, vous allez passer le mont Forêt, et vous serez en hiver, et donc vous allez croiser des Polarum qui sont dégueulasses avec leur morvonnet, et Polagriffes qui sont magnifiques, surtout quand ils sont shiny et qu'on vous les offre. Par wifi, vous allez éventuellement aussi trouver une erreur de la nature qui s'appelle Exagène, et en sortant de là, vous trouverez Escargot qui est bien supérieur à Carabing évidemment, et Nimaspeed qui est magnifique, surtout en Shiny. Et vous allez aussi trouver le roi du derp en personne, Limonde, et ensuite vous allez pouvoir entrer dans la tour Dracospire que la Team Plasma a totalement défoncé avec absolument aucune considération pour le patrimoine mondial de l'UNESCO. Et vous allez trouver le Pokémon 619 Remisterio, aussi connu sous le nom de Kungfuin. Et oui, je viens de faire une référence de catch, ça existe parfois. Kungfuin évoluant Chaofuin, les effets lents, les nuifs, tout ça, tout ça. Vous pourrez trouver des Dracarmin, mais si vous aimez Dracarmin, vous avez du mauvais goût. Et vous pouvez trouver aussi Gringolem, et Gringolem, c'est cool. Golem à stock aussi. Ensuite, tout ça, vous arrivez, vous êtes bien tranquille, vous êtes sur la route 9, et vous trouverez le Pokémon préféré de Max, presque Scalproix. Enfin, Scalpion qui évolue en Scalproix, qui est le Pokémon préféré de Max Prex, parce que Max, le Pokémon préféré, c'est Lucario, comme vous voyez l'originalité. Et puis ensuite, vous allez arriver sur la route 10, la route avec la truc merveilleuse. Vous allez retrouver un ersatz de Tauros qui s'appelle Frison. Et si vous jouez dans la version blanche, vous allez trouver l'américain par excellence, Furiglon, qui évolue en Guerriaigle. D'ailleurs, c'est pas un aigle, hein, l'oiseau américain, mais c'est pas grave. Je sais plus c'est quoi, mais j'ai vu une vidéo de quelqu'un qui. Mais vous savez quoi? Voilà. Et si vous jouez à la version NOS, vous allez vous taper Vostourneau et Vaututrice. En fait, c'est cool, Vostourneau et Vaututrice. Voilà. Et ensuite, vous arrivez sur la route Victoire, après avoir traversé les 8 portes, et vous allez trouver deux Pokémon que personne n'a presque en entendu parler, tellement ils arrivent tard dans le jeu, Aflamanoir. Et Fermite, qui est un Flamatoire, qui est un prédateur de Fermite, en même temps, tu m'étonnes. Et vous allez en trouver aussi le meilleur dragon avant que la 6G arrive, c'est-à-dire Solochi, Diamate, Trioxyde. Et d'ailleurs, Gétis ne se privera pas d'avoir un Trioxyde niveau 54, ce qui est totalement impossible. Si, par contre, vous aviez récupéré un œuf sur la route 18, vous allez pouvoir avoir un Pyronie qui évolue en Pyrax. Et ça, c'est bien.
Et ensuite, votre chasse légendaire peut commencer avec, en commençant toujours par Cobaltium, parce que sinon les deux zones n'apparaissent pas. Ensuite, à la route de victoire, Terrakium. Voilà. Et près de la forêt d'emploi, Viridium, d'accord, ok. Voilà. Si vous êtes dans la version noire, vous pouvez avoir le tout premier Pokémon pur vol, Boreas. Et si vous êtes dans la version blanche, vous pouvez avoir le bon Fulgurice. Ensuite, les magnifiques légendaires, Reshiram, Zekrom, un peu moins bien. Deméteros aussi, qui a oublié de, qui est arrivé un peu en retard pour la composition du Dex, et donc qui se retrouve après Reshiram et Zekrom. Kyurem, évidemment. Keldeo, hein, Keldeo d'Oran. Voilà, hein, ce serait mieux s'il venait d'Alexandrie. Meloetta et Genesect. Et je pense qu'on a fait toute la première. Ah non, non, non. Oui, enfin, il me manque toujours ces deux-là, Ténèbres, que je sais plus d'où ils sortent, je sais pas d'où ils sortent. Et il me manque Bagiguan, parce que je sais, soit je sais pas l'écrire, soit. Ah, il n'y a pas de I, il n'y a pas de U. Voilà, Scraggy. Bon, ces deux-là, je sais pas ce que c'est pas grave, on ne le ferait pas. Et on passe à la dernière génération, il était temps, c'est pas ça que je voulais montrer parce que ça va faire 1 heure. Wouh! 1 heure de vidéo super intéressante, Kappa. Marisson. La 6G, ça devrait être facile. J'ai réussi sans avoir les types, le 100%, ça devrait aller. Marisson. Boguéris. Je suis d'ailleurs président du fan club de Boguéris si vous ne le savez pas. Blindépic. Fennec. Tartare-feu, tout ça, tout ça. Fennec, Roussille avec un balai dans le cul, et Delphox, parce que son nom français, je m'en fous, c'est Gouplein. Nous avons ensuite Grenousse, Croaporal, et puis Amphinobite, comme l'appelle affectueusement plein de gens. Ensuite, Sapero, qui est mignon et qui évolue en l'atrocité physique, hein, qui s'appelle Excavarène. Mais en vrai, Excavarène, c'est magnifique, j'approuve totalement Excavarène. Nous avons notre petit passe rouge qui évolue en Brésillon, et ceux-là, ils l'ont bien mis, qui évolue en Hopi Hopé Flambusard, Talonflame. Ensuite, nous avons l'Épidonie Pérégrin, et puis le diable lui-même, n'est-ce pas? Péragrin, Péragrin, Péragrin. Le diable lui-même, hein, Pokémon numéro 666. Prismillon. Il y a des gens qui aiment faire la collection des Prismillons. Oui, ça existe. Ensuite, nous avons magnifique Élionceau qui évolue en Pyroar, aussi appelé Néméios par certaines personnes. Nous avons Flabibs qui évolue en Floette. Dazed, hein, je me demande ce qu'il faisait avec son Floette quand même. Et ensuite Florge. Oui, je dis Florge et je vous emmerde. C'est qui les plantes là? Grâce, 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 grâce. Qui c'est grâce? C'est probablement Cabriolet. Il y en a tellement pas en fait. Voilà, il y en a tellement pas en 6G de toute façon. Cabriolet. Chevroom, voilà. Vroom, quand votre moteur fait vroom. Non, c'est pas ça. C'est le boom. Quand votre moteur fait boom. Pandespiègle, le Pokémon qui a démontré qu'on pouvait avoir plus de 10 caractères dans un nom. Pandarbar, le Pokémon où ils se sont pas fait trop chier pour trouver le nom. Croifarel, j'ai toujours pas compris son existence, l'utilité de son existence. Psy, Stigri, ouais, vous savez quoi? Voilà. Ensuite, Monorpal, qui évolue en Dimoclès. Une lettre presque une attaque qui évolue en Hopi Hexagide. Dites Hexagide à Max, il vous frappe, c'est un réflexe celui. Fluffetin qui évolue en Cocotine, hein, dont je vous rappelle qu'il y a 40, 50% de mal. Enfin, vous allez me dire, c'est quoi ce stéréotype, hein, si les mâles veulent être roses et porter des robes. Ils ont tout à fait le droit. Et nous avons Sucroquin qui est mignon. Et puis nous avons l'ultime horreur de malsanité qui s'appelle Cup Canaille et que je ne veux jamais voir dans ma vie encore une fois. Les premiers psy ténèbres après Zuman lui-même, c'est Sepiatop! Voilà.
et son évolution Sépiatros. Ensuite, nous avons Oroche. Oroche. Pourquoi j'ai un truc qui... Oroche. Ça devrait venir très vite. Qui est Oroche? C'est pas grave, parce qu'en dessous, on a Venalgue. Et puis Dragalgue. Bon, c'est Cravarec en vrai, hein, mais c'est pas grave. Et puis on a Skrelp. Ah non, Skrelp, c'est Venalgue, zut. Flingouste. Flingouste, voilà. Et son évolution, Gamblast. Ah, mais oui, c'est Aupermine, évidemment. Eh oui, désolé, je les avais retirés de mon esprit tellement c'est des horreurs ces trucs. Galvaran, Igualta. Ah, les dragons. Voilà, là on est les fossiles. J'aime beaucoup les fossiles Tyranidur. J'aime beaucoup les fossiles à 6G. Franchement, ça c'est un truc sur lequel j'approuve cette génération. C'est les fossiles. Amora, par amour du goût, hein. Amagara. Bon d'accord, Dragmara, voilà. Amagara, c'est celui en dessous, c'est pas grave. On a une fée comme ça qui pop en plein milieu d'une part, c'est notre ami Nymphali. Ensuite, Brutalibre. Ensuite, Deden. Magnifique. Ensuite, Stracie, qui est le dernier d'ailleurs que j'ai trouvé quand j'ai fait le quiz 6G. Il m'a fallu 2 minutes juste pour retrouver Stracie, j'avais tous les autres. Dragon, dragon, dragon. Et évidemment, Mucuscule, Mucuscule, Colimucus. Et le dragon le plus abordable du monde, Muplodocus. Ensuite, Trousselin. Hein. Oh, un peu, c'est mal, Trousselin. Voilà la réaction de tout le monde quand il l'a vu pour la première fois, je pense. Voilà, il y a comme d'habitude des gens qui râlent et puis on s'habitue. Hein. Ensuite, ils se sont dit, hey! C'est bien, plante spectre, on n'a pas encore vu. Alors on va mettre deux familles de Pokémon différents qui l'ont pour être sûr que ça plombe bien tout le truc. Je veux bien plante spectre, mais pourquoi deux plantes spectre? Je veux dire Pitrouille, Banchitrouille. D'ailleurs, Sylvanas, c'est la reine Mancherie, ça. C'était bien, Pourquoi avoir rajouté des saignants, des merdes dans le genre? Enfin bref, peu importe. Grelasson. C'est un Grelasson. Et puis merde, comment? Voilà. Comment il s'appelle? Seracro, voilà. Ensuite, on a Sonistrel. Sonistrel. Voilà. C'est qui? Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Sonistrel évolue en. Hein? Je sais, hein, je vois c'est quel Pokémon. Ça fait juste tellement longtemps que j'ai fait ce truc que j'arrive. Enfin, que j'ai commencé. Que. Sonistrel évolue en. Bruiverne. Purée. Il a fallu un temps. Et après, on a nos magnifiques légendaires dégueulasses: Xerneas, Yveltal, Zygarde, Princesse Caillou. Ou pas, et au feu les pompiers. Et sur ce, tous ceux que j'ai pas trouvé, je n'y reviens pas. Parce que ça fait trop longtemps et parce que bah, il fallait que je le retrouve. Alors, c'est qui que j'ai pas retrouvé? Ah, mais oui, l'eau, c'était évident. Le bug flying, c'était Yanma. En plus, j'ai mis Yan Mega, j'aurais peut-être dû y penser. Ça, c'était Tarpo, oui, en effet. Que Lorior! Ah oui, donc ce truc-là, c'était pas du tout son évolution, c'était. Petit Ravi, comment? Mais oui, Petit Ravi, évidemment. Et. Alors. Zorua et Zoroark, mais oui! Bien sûr. Oh, je suis un peu déçu. Alors voyons. Qui était le Pokémon le moins trouvé parmi tous les gens qui ont fait le quiz? Ouais, bah, les gens ont... Ouais, voilà. Le moins prouvé, ça a été BM. Donc BM et LGM. Donc Netra Medusa. Intéressant. Enfin bref.
Sur ce, cette vidéo dure depuis bien longtemps et doit être à mon avis très chiante, mais c'est pas grave, je la publie quand même parce que pourquoi pas. En tout cas, j'espère que vous l'avez apprécié. Si vous l'avez regardé en entier, eh bien, vous avez du courage et merci de l'avoir fait. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo et n'hésitez pas à mettre un commentaire pour dire ce que vous avez pensé, à faire le test si vous voulez, hein, le lien est là. Et dire éventuellement votre score. Sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.